Bonjour à tous, ici Atom Alpha dans cette vidéo sur... je vais juste tourner la caméra, vous allez tout de suite comprendre. Oui, on est dans le milieu de la mer et on est dans un port avec mon bateau. Oui, mon bateau. Donc, dans le fond, j'avais pas seulement envie de tester, c'était juste pour faire vraiment des vidéos de ça parce que, comme vous le savez, fort probable, je fais toujours des tests de jeu avant d'essayer de faire des vidéos et tout, voir si je l'aime, si je peux faire une série et tout. Puis je pensais que ce jeu-là pourrait être une bonne un bon début pour une première série durable. Fait que là, dans le fond, on va couper ça. Puis en même temps, j'ai des amis dans le serve, là, et je leur ai dit que voilà. Parce que oui, je suis pas sur mon compte YouTuber en ce moment. Fait que je suis juste mon compte joueur normal. Ou d'ailleurs, j'ai fait ma première vidéo avec. Mais bon. Donc, ça, deux moteurs. Ça, c'est un mal ami. Bon, en fait, tout est déjà correct là-dedans. Je vais même supprimer l'escalier qu'il y a là. La bouche, je vais la garder, mais pas hyper longtemps. Je peux faire ça. Voilà. Donc, pour commencer, je vais pouvoir vous donner des astuces parce que voilà, j'ai le dernier bateau du jeu, mais enfin, dernier bateau. J'ai l'argent pour l'acheter, mais j'économise un bon 500 000 de plus. Donc, on va commencer. Donc, ces cabines-là, très honnêtement, je vous dis, ça vaut de la merde, il vaut mieux acheter ça. Ça, là, c'est les meilleures cabines pour bien débuter. Bah, en fait, j'ai une meilleure idée que ça, hein. Attends, voilà. Je pourrais faire ça, 4500 plus 2 et tout. Là, il me semble que ça va me rapporter un bon 1500 x 2, donc 3000, 5000. Tandis que celle-là, c'est 4500 que ça te rapporte, fait que je pense avoir un peu plus la merde, ça. Mais en même temps, ça prend moins de toilettes et tout. Bon, je vais prendre celle-là, tiens. Ça va être moins chiant, là, pour commencer. Voilà. Même un autre truc que je vous donne, essayez de faire le balcon comme ça, là, mais le plus loin que possible. Voilà. Donc, je vous dis, moi, c'est un truc que je m'étais fait au tout début quand j'avais commencé. J'avais essayé de faire ça, puis ça rapporte pas mal quand même. Ensuite, j'essaye d'acheter les affaires économiques, comme ça, qui vaut moins cher. Donc, voilà. Nickel. Oh, non, ça c'est pas nickel. Ça c'est nickel. Voilà. Ici, je vais pouvoir placer. Je te dirais. On va aller dans les cabines. Celle-là, c'est sûr qu'elle valent plus cher, mais elle rapporte un peu plus d'argent, mais ça vaut de la merde. Ouais, je suis un peu dans mes pensées, là. Désolé, Jean. Donc, comme ça, je me fais 1, 2, 3. Voilà. Et je m'en fais comme ça. Puis, OK, ça, c'est juste. Donc, juste là, je vais aller vérifier le nombre de passagers que j'ai. Puis, la rentabilité. Quoi? Ils ont même baissé l'argent? Mais c'est de la merde! Attends, c'est dire qu'ils ont même baissé le prix de 300$. C'est horrible ça. Oh non, je suis tellement pas d'accord. Allez.
Donc comme ça, je pense qu'on est bien. Ça nous fait 7 700 plus ça. Un bon. Ben, ça fait de l'argent parce que il faut quand même payer provision carburant. Fait que dans le fond, je vous ferai. Donc, côté carburant, c'est 1 kilo de carburant, c'est 2. C'est quoi déjà? 1 kilo de carburant, c'est 2 $. Fait que 5 000 kilos de carburant, c'est 10 000 $. Voilà. Hey, non, mais oh, on dégage mon bateau, oui. Allez, host. Là, t'es dans mon bateau. C'est bon. Ici, c'est bien. Ici, je suis désolé, les gens, là, mais moi, je veux absolument placer des allées de bowling. Ils l'ont rajouté aujourd'hui, puis apparemment, c'est très payant. Bah, pas très payant, mais ça remonte bien ta note. Puis en plus, c'est confirmé par moi-même que c'est vrai. Fait que. Parce que ça en vaut quand même le coup. Donc, ici, j'ai de quoi amuser 18 personnes, puis j'ai 15 personnes à bord. Fait que ça va être parfait. Ici, ça va être la zone resto. Sachant que j'ai 15 personnes, j'ai juste besoin d'un resto de même, là. Ouais. Comme ça. Puis on peut mettre des tables. Comme ça. Une table à 300. Je vais pouvoir en mettre deux ici. Je sais que je peux en mettre plus, mais encore. 16. En fait, ça c'est juste parfait pour tout le monde. Bien. Bah, en fait, le bateau il est censé être une bonne note. Je vais pouvoir placer ici, je vais placer un sol de marbre. Oui, moi, je fais pas les choses à moitié. Voilà. Donc, comme ça. Allez. Voilà. Donc, ça, c'est le premier étage en marbre. Moi, je vais faire un autre étage en marbre ici. Là, ça va m'en rapporter pas mal, je pense. Parce que la déco et tout, c'est important aussi. C'est en fait, dans ce jeu, les clients sont des vrais râleurs. Ils chialent tout le temps. Bon. Comme ça. Ici, voilà. Ici, je vais faire une technique. Attendez. Faut que je regarde. Sachant que j'ai deux moteurs, je peux faire toute la map comme ça, tranquille. Mais. Vais aussi vous montrer une petite technique. Même si les clients ils voient pas, bah, ça compte quand même pour de la déco. Fait que t'en places là où t'as de la place. Par exemple, dans les endroits qui te servent absolument à rien. Tu mets des plantes comme ça, puis voilà, ça t'en revient de la peine. Ici, je vais en mettre un. Moi, je suis cultivateur, ok? Bon, ben, j'ai plus d'argent, fait que. Ok, ouais, ce gars-là, je crois qu'il y a un albatros. Ou un osprey. Ouais, c'est un osprey. Bon. Ben, on va prendre les gens. Ah, et j'allais oublier, je vais commencer. Attends, moi j'aime bien mettre la couleur là.
parce que c'est un peu laid pour moi les couleurs de base. Ça, je préfère nettement ça. L'extérieur, je le mets noir. Regardez, je vais vous montrer. Puis je le mets doré. Si vous n'aimez pas les couleurs, vous pourrez m'en proposer. Puis, je pense qu'il y avait une dernière affaire que j'avais à faire à part ça. Oui, c'était nommer le bateau. Puis, mais comment, ça, je préférerais honnêtement attendre vous, mais pour le moment, je vais le nommer le. Pourquoi pas le Liberty ou le Glorious? Ouais. Enfin, je vais le nommer Glory. C'est le nom de ce bateau, ok? Et je vais le changer si vous avez des meilleures idées et si quelqu'un donne une idée, vous pouvez liker si vous l'aimez. Donc, c'est parti. Attends, oh, j'allais oublier. C'est un bonnet. Ouf, au moins, chance que je suis pas parti sans eux. Là, ça aurait coûté cher. Allez, on peut partir. Genre, comment son bateau tourne aussi vite? Même mon bateau, il tournerait pas aussi bien. Je vais faire un mode édition ici. Donc, comme ça, il fallait que j'aille ici, c'est vrai. On descend. Même pas eux, non, c'est pas vrai. Tenez. Mais non, mais c'est. Ok, ça, je pensais c'était encore un cas. Là, je me dirais, bah, c'est pas clair. Voilà. En bas ici, c'est pas si mal. Ok, la note est bien, mais il faudra augmenter variété. Je pense. La variété, ça c'est les repas et tout. La fréquentation, elle semble bien, mais. Ah, quoi? Ils ont traduit le jeu en français? Oh, bah tant mieux. Avant, il était pas en français. Bon, bah tant mieux, hein. Activité, nourriture, furnishing, chambre, sol. Oh. Je vais en placer un ici. Je vais commencer par remplacer les affaires de verre, comme ça va me donner un peu plus d'argent. Mais avec 1 000 $, on peut se placer un jacuzzi, peut-être? Ouais, jacuzzi. Clairement. Ou encore, on peut se placer deux comme ça revient mieux. Parce que ça donne de la déco. Bien, il est où mon bateau? La petite merde, elle est là. Je commence à tourner. Bon, bah, mes amis, mes deux amis qui se connaissent pas sont devenus bons amis, tant mieux.
La Mara, je coûte 1500 parce que voilà, je prends pas beaucoup de gaz et tout. Moi, je vais faire un arrêt ici, je vais rien payer, je vais tout de suite repartir à Placeholder après m'avoir placé là, mais bon. Aussi, je vous donne une technique, vite fait, une petite technique, les pros font, mais naturellement, les personnes ne savent pas parce que les gens là, qui sont dans ton bateau, plus qu'ils restent longtemps, plus que tu fais un long trajet, plus que tu vas vite, plus tu fais une longue distance en 24 heures et plus de temps que tu passes sur la mer, ça te donne de l'argent. Puis, dans le fond, moi, avec le budget de 11 000 que je peux me faire, là, je pensais ça. Tenter. 11 900, moi, je m'étais déjà fait avec un 10 000 comme 30 000, ce qui était pas super. Ok, on tourne, on tourne, on tourne. Côté divertissement, ça a augmenté. Pourrais-tu me rendre placeholder largement? Ok, on arrête de tourner. Ouais. Puis vous pouvez utiliser les commandes simplifiées, mais moi, je préfère les commandes plus compliquées. Donc, ici, je vais commencer à tourner. Port tribord. Allez, 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 on tombe. Ouf, j'ai pas heurté la fin du pont. Ok, on tourne, on tourne. Propulseur transverso, pardon. Puis je vais vous donner des astuces de marin. Les moteurs qu'on appelle ici, c'est les azipodes. Puis à l'avant ou encore sur les côtés, puis les propulseurs qui permettent de tourner. Parce que oui, certains navires utilisent des gouvernails. Mais les navires de croiseur, c'est principalement des moteurs qu'ils utilisent pour tourner. Oui, eux, ils vont extrême. Non, 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 non. Il faut. Ah, ben, je me suis fait un bon 10 000, hein. Ça, c'est pour la distance que j'ai parcourue et le temps que j'ai parcouru. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Ok, on arrête les moteurs. Allez, allez, allez. Moi, je suis un navigateur expérimenté.
Ok, on arrête. Oh mon Dieu, ça va me prendre 300 âmes par quai. Donc je vais faire ici, je me mets à quai. Puis vous savez quoi, je vais pas faire la technique que je me suis dit. Je vais décharger les passagers. Là, je me fais du profit en masse. Oui, vous dites, j'ai fait 3 000 puis je viens de payer 4 000, mais c'est pas ça. Non. Déco, j'étais bien. Je vais placer soit un troisième moteur comme ça, soit une batterie. Bah, honnêtement, je vais aller pour la batterie. Puis je vais commencer à placer des panneaux. Ici, c'est ce panneau. Et voilà. Donc comme ça, on est bien. La note, le divertissement, c'était bien. La fréquentation, par contre. Attends, 11. Eh ben ça, c'est con. Allez, on retire ça. J'allais oublier qu'il me faudrait deux toilettes de plus parce que même s'il y a deux toilettes là-dedans, il y a quatre passagers, puis chaque passager a besoin de sa toilette. Alors, nourriture, furnishing. Puis ça va bientôt être la fin de cette vidéo, donc je vais faire une deuxième partie si vous avez aimé. Donc, vous pouvez me faire des commentaires, dire ce que j'ai besoin d'améliorer. Donc, ah oui, c'est là. Pardon. Ça, c'est 5 ici. Ça, c'est 16, mais dans le bateau, ils sont 15. Bon. Bon, en fait, je vais rajouter deux toilettes à 900, là. On va pas se casser la tête. On va faire un test vite fait. Avant qu'on se quitte, fait que, ben, le temps qui en... En déco, j'ai perdu des étoiles. Fréquentation avec. Sont 15 là. Ici, les besoins de base sont... Ils n'ont pas augmenté. 15. Ok. Ouais. Je crois savoir c'est pourquoi. Comme ça. J'ai perdu un peu de la note. Bon. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz si vous voulez plus de vidéos. Donc sur ce, on se dit à plus et à la prochaine.